L'homosexualité reste encore un tabou dans plusieurs pays africains. Dans certains pays, il y a même un déni du fait homosexuel. Les opinions publiques considèrent l'homosexualité comme un choix volontaire qui reflète une perversion sexuelle et qui est motivée par des calculs économiques. Pour une grande partie de citoyens africains, l'homosexualité est une pratique sexuelle importée de l'Occident, contraire aux traditions africaines. Pour le Sénégal, dont je connais vraiment bien l'histoire, étant moi-même parmi les chercheurs en histoire, il n'existait pas l'homosexualité à son état actuel. Ça n'existait pas au Sénégal. Donc il y a eu certes des efféminés dans toute l'histoire du Sénégal qui jouaient le rôle d'amusement, ils amusaient les gens dans les fêtes, les baptêmes, ils se déguisaient comme femmes. En fait, on les appelait Godiguin. Godiguin, c'est même en traduction littéraire, ça signifie homme-femme. C'était des hommes qui se déguisaient comme des femmes. C'est un aspect culturel de notre civilisation. Mais en tant que pratique, en fait, des hommes qui entraînent des rapports sexuels avec d'autres hommes, nous n'avons pas eu trace d'une historicité claire, en tout cas scientifique, que ces pratiques-là ont vu le jour avant l'arrivée du colon au Sénégal. Sincèrement, c'est une pratique qui a été importée et qui fait partie des méfaits de la colonisation chez nous. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait un historien spécialisé de la question ou un anthropologue ou un sociologue qui puisse prétendre que l'homosexualité ou en tout cas les pratiques de relations sexuelles entre hommes ou bien les pratiques de relations sexuelles entre femmes sont importées de l'Occident. Je ne le pense pas. Il y a une montagne d'évidence, de faits archéologiques qui vont remonter jusqu'à l'Égypte pharaonique, jusqu'en passant par différentes sociétés africaines où il y a une construction des relations sexuelles entre hommes à partir de concepts qui ne dérivent pas de concepts occidentaux. On ne peut pas trouver de société au monde, en tout cas ce n'est pas documenté, de société au monde où il n'y a pas de pratique homosexuelle. À partir de ce moment, la question se pose, qui va se poser entre nous, c'est de voir comment est-ce que les Africains conceptualisent l'homosexualité, comment est-ce que différentes sociétés africaines conceptualisent l'homosexualité. Et c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé pour ce qui concerne les sociétés sénégalaises. Il faut avouer que la sexualité, l'homosexualité comme la sexualité de manière générale, est influencée par l'histoire, par la politique, par les relations sociales, par les rapports de pouvoir. Donc, les concepts, la manière de se représenter la sexualité change bien sûr en fonction des situations. Ce que je peux vous dire est que dans les sociétés précoloniales africaines, il y a des formes de tolérance très fortes par rapport à la diversité sexuelle. Et je suis convaincu que dans les sociétés africaines précoloniales, il y a eu des formes poussées de construction sociale de la tolérance et de l'acceptation de la diversité sexuelle. Quand on vous dit non, 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 ça vient de l'Occident, moi je me dis c'est parce que tu ne connais pas ton histoire et ta culture. Dans ton histoire et dans ta culture, il y a des constructions de l'homosexualité. L'homosexualité est née avec l'Afrique. Et l'Afrique est la mère de l'humanité. C'est-à-dire que dès que l'Afrique est née, qu'elle a commencé à porter des enfants, sur 10 enfants, il y en avait un qui était homosexuel. Et cela s'explique aussi par le fait qu'au Cameroun, qui est indépendant, c'est un pays qui est indépendant depuis le 1er janvier 1960, le Cameroun a eu son premier code pénal en 1965. Et la loi est passée devant une assemblée qui était composée majoritairement de députés qui n'avaient jamais été en France, d'autres n'avaient jamais pris l'avion. Et c'était des gens qui étaient très proches du terroir et des traditions. Eh bien, ils n'ont pas considéré que l'homosexualité était un délit, était une infraction. Et pourtant, dans le premier code pénal camerounais, il y avait un certain délit nommé bigamie. Et d'autres délits, il y avait le viol, il y avait l'inceste, il y avait exigence abusive de la dot, pour nous rapprocher des traditions. Il y avait tout ça. Mais
personne parmi nos premiers législateurs, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas WhatsApp, Facebook, ni rien du tout. Pour téléphoner, il fallait aller à la poste, lancer un PCV et attendre qu'on vous réponde. Donc, vous savez, ils étaient vraiment peu en contact avec l'Occident et avec des... Mais comme c'est la mère de l'humanité, elle a enfanté parmi ses enfants. Et grâce à la diversité de la création, elle a eu tout ça. Elle a eu des enfants qui étaient homosexuels, des enfants qui étaient bisexuels, des enfants qui étaient transsexuels, et puis des enfants qui étaient homosexuels. Ça n'a dérangé personne. Il a fallu attendre 1972 pour que, ce n'est plus le Parlement, mais pour que le président de la République signe une ordonnance en disant « ben moi je vais décider que l'homosexualité est une infraction, qui est rentrée par effraction dans le code pénal ». Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, peut-être que vous avez vu, plein d'enfants qui ont perdu leur destin comme ça, qui ont été tués, qui ont été torturés, qui ont été jetés en prison, qui ont perdu l'amour de leur maman, l'amour de la famille, éjectés de partout. D'autres qui ont pu aller vers des pays où l'homosexualité n'était pas une infraction. Les lois qui pénalisent l'homosexualité, ces lois proviennent pour la plupart. Elles sont inspirées, ou quelquefois on a juste fait du copier-coller des lois françaises pour ce qui est de l'Afrique occidentale sous domination, sous colonisation française. Elles proviennent directement des lois établies en France dans les années 40, c'est-à-dire procédant du régime de Vichy. Alors, ces lois-là ne sont pas des lois africaines. Elles ont été imposées par l'Occident, par la France en particulier, au moment des heures les plus sombres de l'histoire de la France. La loi sénégalaise a été reprise juste après les indépendances, les années 60. Donc c'est elle qui continue jusqu'à nos jours avec une sorte de... une interdiction, avec des sanctions qui sont prévues, etc. etc. Dans les années 2000, autour des années 2000, nous allons assister à l'émergence de nouveaux discours religieux. Là où l'islam sénégalais, l'islam le plus anciennement établi au Sénégal, est soufi, c'est-à-dire qui réinterprète les choses, qui introduit des nuances et qui donne une importance extrêmement importante à la seconde lecture. Il faut lire, il faut penser, repenser pour comprendre le sens réel. Et dans cette lecture soufie, il y a un appel à la tolérance. Il y a un appel à la tolérance, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, même si vous n'approuvez pas son comportement, vous ne pouvez pas la tuer. Nous allons voir dans les années 2008, 2009, la montée d'un discours extrêmement violent qui disait qu'il faut tuer les homosexuels. Alors que dans l'interprétation religieuse, vous avez l'islam soufi parle plutôt de... met en avant la miséricorde, le pardon, la compréhension de l'autre et le jugement par Dieu. Il n'appartient à personne d'enlever la vie de l'autre. Donc, alors, par rapport à ce discours-là, vous avez un autre discours qui est apparu par la suite et qui, lui, prône une violence, ouvertement. Malheureusement, les médias ont servi ce second discours-là. Les politiques en Afrique ont trouvé un nouveau sujet de mobilisation et de manipulation des masses populaires. Un seul choix semble dominant à l'approche des élections. L'homosexualité était mal bannie par la loi. Les lois homophobes font leur retour dans la législation allant jusqu'à prôner la peine de mort pour les personnes ayant une orientation sexuelle différente de la majorité. Nous, on s'interpose pour dire non. Si vous voulez être mauvais, soyez mauvais dans vos chambres. Mais aller jusqu'à imposer l'homosexualité sur la place publique pour dire qu'on doit légaliser ou tel, ça, nous ne l'accepterons pas.
Et si l'État refuse de prendre sa responsabilité sur cette question-là, nous, le peuple, nous prendrons une responsabilité. En fait, nous, aujourd'hui, nous avons commencé un combat par rapport à une pétition nationale qu'on a lancée pour criminaliser davantage l'homosexualité. Parce que nous voulons que la peine de mort revienne au Sénégal par rapport à certains faits qui sont là, qui ne doivent pas être impunis. La société a cet espoir de continuer à vivre et a cet espoir de protéger les exclus et les marginaux que, au bout du compte, ce n'est pas la terreur qui va vaincre, c'est le respect de la diversité. Partout où il y a répression, partout où il y a violence, il y a contre-pouvoir et empathie et organisation de multiples formes de protection de la vie humaine. Une violation des droits humains faite contre un groupe va s'étendre à d'autres groupes. Or, notre avenir qui va nous réconcilier avec notre passé. Si vous prenez la constitution, les constitutions africaines précoloniales, vous prenez le respect de la diversité, y compris de la diversité religieuse, si vous prenez tout cela, vous voyez que la construction de l'avenir va se baser, va s'inspirer de comment le passé a été construit.